Coucou tout le monde, j'espère que vous allez Bonjour. Bien. Regardez qui j'ai retrouvé, le seul C'est Luc, moi. le grand aventurier du Kilimandjaro, il est revenu depuis hier. Depuis hier, 14h. Et aujourd'hui on est mardi, et le mardi c'est la journée contenue. Et du coup on travaille ensemble, et ça c'est une super nouvelle. Je vais faire un petit vlog, je pense, sur 2 jours. Là on est en mission table de nuit, puisque je suis en train de tout changer. Mais pour voir toutes les petites étapes et tout, ce sera sur TikTok. Parce qu'en ce moment je suis très TikTok, j'aime bien ce genre de vidéos. Donc voilà, là j'avais besoin de l'aide de Sam pour transporter la table de nuit, oui. Sans risquer de la... cassé. Voilà les backstage d'une vidéo TikTok, mais ça y est, j'ai ma nouvelle table de nuit. J'suis trop contente, franchement. J'ai adoré hein, ce petit tabouret que j'avais chiné dans une petite boutique à Montpellier, mais c'était clairement pas une table de nuit. Je vais la mettre là, vu que de ce côté, Sam y vient pour quand on passe la soirée ensemble, on regarde des films et tout, mais il en a pas besoin pour poser ses affaires. Je vais la laisser ici, et ici je suis très contente d'avoir quand même une vraie table de nuit, avec du rangement, un tiroir et tout. Franchement, c'est la vie. Alors, je sais que je vais devoir la nettoyer souvent, parce qu'elle est noire, mais écoutez, j'aime bien le contraste que ça fait avec le côté très dodu du lit. Je me suis un peu affalée dessus là, mais voilà, il est temps maintenant de ranger tout ça. C'est le retour des plateaux télé. Oh là là, sauf qu'on ne sait pas à quoi regarder. Mais en tout cas, on va bien manger. Petite purée patate douce, lentilles, carottes. Corail, carottes, petit bœuf sauté thaï. Bon, j'ai fini de bosser et de monter le prochain TikTok. Je sais pas si ce sera le prochain. Je voulais en profiter pour vous montrer comment j'ai réussi à dompter mes cheveux avec une brosse soufflante. Franchement, j'ai mis longtemps avant de comprendre le style que j'aimais et surtout à m'en servir. Comme celle-ci est pas hyper chère, il me semble, il me dit que je pouvais vous montrer comment je m'en sers. Bon, là je vais mettre un peu de spray là pour les frisottis. Généralement je le fais sur cheveux séchés à 80% après ma douche. Je vais vous expliquer sans l'allumer, sinon ça va être infernal. Le mieux c'est d'avoir une brosse soufflante qui est vraiment à 360 plein de picots. Ce que vous allez comprendre, en fait je prends la mèche, je tourne, et avant j'avais tendance à juste tirer comme ça, et en fait non, je twist tout le long, le long, le long, le long, le long, et ensuite je laisse vraiment comme ça. Ensuite je laisse refroidir, je passe ma main à l'intérieur et ça fait des boucles hyper naturelles et hyper rapides. J'enlève le son pour le bien de vos oreilles. Généralement je fais toute ma tête comme ça, j'attends que ça refroidisse. Ensuite je passe un petit peu d'huile à l'intérieur pour faire un effet un peu juste wavy, brushé. Voilà ce que ça donne au niveau des cheveux, sachant qu'ils datent pas d'hier au niveau du lavage, ça fait 2 jours que je les ai lavés. Donc, généralement quand je le fais en sortie de douche, je trouve que le résultat est encore plus sympa. Et sur cheveux 80% séchés, je trouve que ça marche mieux parce que c'est vrai que la brosse soufflante fait plus effet. Mais franchement, la rapidité d'exécution, genre vraiment ça doit me prendre 5 minutes montre en main. C'est un résultat qui est plutôt très naturel et voilà, que j'aime bien. Donc je voulais vous partager ça. Vous êtes posé sur un mug. Ce dispositif est très bancal. On va y arriver. J'avais envie d'être un peu posée parce que je voulais vous parler de body care. Alors je parle souvent de skincare, on aime beaucoup les petites chit-chats dans la salle de bain. Et là j'avais envie de vous parler de soins pour le corps, notamment avec une marque vraiment très très cool dont j'avais entendu parler sur le blog de Neroli, Marielle, qui est une influenceuse qui m'influence énormément. Tous mes achats skincare où elle dit avoir un coup de cœur, je craque. Plein de trucs j'ai craqué grâce à elle, et quand la marque m'a contactée, j'étais juste trop contente parce que dans tous les cas c'était sur ma wishlist. Je vous montre les deux produits dont je vais vous parler et je vais vous expliquer pourquoi vraiment je les kiffe et vraiment je trouve que c'est un super concept. Je vais vous parler aujourd'hui de l'huile sèche et du déo soin, mais attention, ce ne sont pas des produits comme les autres, et vraiment le concept derrière est génial et je suis trop contente de pouvoir bosser avec eux et de les soutenir parce que j'aime beaucoup les projets qui sont vraiment pensés de A à Z dans la praticité, le confort d'utilisation, le plaisir. La crème libre, très rapidement, c'est une marque française qui a la particularité d'avoir des compos 100% naturels et rechargeables. C'est là que ces petites beautés rentrent en jeu. Pour chaque produit, vous avez la recharge qui est associée. Ça vous évite de racheter un contenant à chaque fois. Moi, je vous parle de body care, mais ils ont aussi des produits skincare avec des crèmes visage, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur le site. Il y a vraiment de très jolies choses, toujours avec les mêmes principes et les mêmes valeurs. La beauté clean avec des superbes compos, des packagings rechargeables, du made in France et des formules vegan. Et donc, je vous parle des deux coups de cœur que j'ai pu tester. L'huile sèche, alors vous voyez, il y a des traces de doigts parce que vraiment, c'est un indispensable dans ma salle de bain. Déjà, il faut que je vous parle du packaging. Non mais c'est juste fabuleux en fait, c'est à dire que c'est un énorme roll-on, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, et j'ai des grandes mains. Et l'huile se disperse à la parfaite quantité grâce au petit roll-on qui est ici. Elle sent hyper bon,
sans être entêtante, la texture ne colle pas. J'adore l'effet que l'huile a sur ma peau normalement, mais je déteste l'application. Et là, avec cet embout, c'est juste génial. Déjà, vous pouvez atteindre des recoins, notamment le dos. Moi, je sais qu'en bas du dos, j'ai des vergetures, etc. Et c'est vrai que j'aime bien hydrater à ces endroits-là. C'est hyper pratique. Et surtout, vous n'avez pas de l'huile en trop grosse quantité sur vos mains qui coulent et tout. Moi, je déteste ça. Vraiment, c'est ce qui me repousse normalement des produits huileux. Et là, vraiment, ce format-là, il est génial. Déjà parce que la texture, comme je vous dis, elle n'est pas du tout grasse. C'est une huile qui est sèche, mais qui est suffisamment agréable pour pouvoir masser quand même la peau. Et cet embout, ce packaging, les marques de cosmétiques, réveillez-vous, ce truc est révolutionnaire, vraiment. Et l'huile s'utilise à la fois sur le corps, mais aussi sur le visage, sur les cheveux. Vous pouvez l'utiliser de multiples façons. Et personnellement, je l'adore pour le corps, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Petite précision, je sais qu'on me pose souvent la question, mais l'huile sèche est complètement safe pour les femmes enceintes et allaitantes. Donc voilà, c'est bon à savoir si jamais c'est le cas pour vous, surtout qu'elle a une action sur les vergetures, au niveau de l'élasticité de la peau, etc. Donc pendant la grossesse, notamment, le postpartum, on y est plus sujet. Donc vraiment, c'est pour moi le produit idéal, déjà par la praticité, mais aussi pour ses résultats. Et vous avez la petite recharge, donc elle se découpe et elle se verse en enlevant juste la bille sur le dessus, et vous pouvez donc avoir votre produit à nouveau sans devoir racheter le packaging. Donc c'est économique, écologique, le concept est génial. Et le déo soin, juste je fais un petit mot là-dessus parce que vraiment le focus était sur l'huile sèche et c'est vraiment mon gros coup de cœur. Mais juste un bonheur d'utiliser un déo quand vous rasez et que ça pique normalement d'utiliser des déos qui sont un peu parfumés, un peu sympas. Là vraiment, vous avez pas du tout de picotement, même si vous venez de vous raser, et moi qui me rase, c'est très difficile pour moi de trouver des produits adaptés. Il a une odeur qui est juste, on dirait l'odeur de la lessive propre, je sais pas vous dire, mais je trouve ça fou parce que la compo encore une fois est hyper clean. Et personnellement j'ai pas une énorme transpiration déjà de base, mais il fonctionne quand même très bien sur moi. Et le côté confortable à l'utilisation, pareil, ce packaging génial. Alors celui-ci c'est plus classique pour un déo, mais n'empêche que le côté vert et le côté rechargeable, c'est génial. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette marque, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, j'ai adoré vos produits. La bonne nouvelle c'est que j'ai un code promo de 20% si vous voulez tester cette marque, le code c'est JNSPJ20, je vous mettrai tout à l'écran et en barre d'infos. C'est un kiff pour moi d'avoir vos retours aussi quand je vous présente des marques, donc si jamais vous testez, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram ou à commenter la vidéo si jamais vous avez déjà testé. Voilà pour ce petit talk body care. Il est quelle heure à l'heure où je vous parle? Il est 16h, non 15h45. Je vais bosser un peu encore sur l'ordi et puis ensuite le reste de la journée, soirée va commencer. On va chercher Gaspard à l'école et puis la petite routine du soir, tout ça. Est-ce que je me ferais pas un petit matcha ou un petit café latte avant? Petit coup de punch là. Voilà, c'est ça ma vie. Moi je travaille et lui il est là. Mais tu rigoles. Il boit son café et il me regarde. Mais tu. T'es vraiment abusé, je viens d'arriver pour te demander un truc. Bah du coup, puisque tu me demandes, je veux bien un café latte. Vraiment, parce que tu me. Je t'ai mis un fond de café dans la tasse. Moi je vais chercher Gaspard. Mais il est même pas 16h. Tu veux pas aller chercher maintenant? Là on est sur une mousse de café ou une mousse de lait au café, je ne sais pas, mais il est fabuleux. C'est le mousseur à lait que j'ai utilisé dans mon reel sur le matcha là. Il est incroyable. Enfin vraiment c'est le meilleur, je vous le conseille à 1000%. J'ai décidé de prendre cette caméra pour mener un interrogatoire à la personne qui est là. T'es tellement grand que je suis toute petite. Léa, oui. Est-ce qu'un jour tu vas regarder le Seigneur des Anneaux en entier? Version longue. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le genre de film que j'aime. Mais comment tu sais, puisque t'as jamais regardé un film comme ça? J'ai essayé, hein, le cinéma. T'as essayé? Je me suis endormie. Combien de temps? On n'était même pas sortis de l'anniversaire de Bilbo. Bon, ça, je m'en souviens pas, mais assez pour que, en tout cas, je m'endorme devant. Mais bébé, tu t'es endormi au bout de 10 minutes, c'est pas à cause du film, c'est parce que t'étais fatigué. Est-ce que tu veux pas faire une expérience sociale? Genre, je teste le Seigneur des Anneaux. Il est 19h55, Gaspard vient d'être couché, on a fait notre petite routine du soir. Ça c'est une de mes missions, et vous allez dire mais tu ne fais que du rangement, et franchement ce n'est pas faux, parce que j'ai fait une liste de choses que j'aimerais ranger dans la maison, et ce meuble en fait partie. Parce que je vais pas vous mentir, c'est une catastrophe. Il y a plein de papiers, de trucs, de machins. Alors on avait fait une petite organisation genre à ranger, à gérer, sauf qu'on ne range pas et on ne gère pas, donc il n'y a rien qui va. Il y a un œuf de dinosaure, des piles, mais alors c'est pas les bonnes piles dans la bonne boîte. Alors ça c'est le clou du spectacle, ces amis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a donc un dinosaure lampe décapité qui avait déjà été reconstitué. J'ai de la monnaie en quelle langue? Ah bah des super, des roupies séchelois. La monnaie en quelle langue elle est? Ça c'est quoi? Ah ça c'est des francs suisses je crois.
Ça, c'est des couronnes. Non, mais attends, on est une banque de... Il y a toutes les monnaies ici. Qu'est-ce que c'est, ça? Des bébés. Des dollars néo-zélandais, genre. Oui, pourquoi on a ça, en fait? Parce qu'on n'est jamais allé en Nouvelle-Zélande de notre life. Mais c'est une mais vraiment... Genre, on a... Mais on est une banque internationale. Il est 22h17 exactement. Samuel s'est endormi devant notre série, comme tous les soirs. Samuel, après 21h30, il n'y a plus personne. Du coup, je vais ranger la cuisine, vider de la vaisselle, tout ça. Petite corvée du soir. Bon, ça y est, ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on s'attaque à ça. Bon, vous m'excuserez, il y a le lave-vaisselle qui tourne en fond, mais je vous montre quand même le résultat final. Donc, notre petit meuble, qui est extrêmement pratique en réalité. Hein. C'est une commode qui vient de chez La Redoute. Alors, je crois qu'elle est plus dispo, mais vraiment, elle est top. Elle tient très bien dans le temps. Simplement, c'est un endroit stratégique où on a très vite fait de tout laisser en bordel. J'ai essayé d'organiser ça de façon stratégique, en laissant le strict minimum, enfin des trucs qui font sens et rangés par type de choses. Donc là, j'ai les lunettes de soleil. Ça, c'est vrai que chapeau, bonnet, etc., gants, on laisse ça ici. Et du coup, lunettes de soleil, quand il y a besoin, quoi. On a ce petit panier, donc celle de Gaspard, les miennes. Sam, je crois qu'il n'en a plus, puisqu'il les perd tout le temps. Les nouvelles iront dans ce petit bac également. Au fond, il y a des masques et des anti-moustiques. Vraiment, le lave-vaisselle nous fait son meilleur concert, là. À côté, on a les chéquiers et les papiers d'identité. Au-dessus, on a tout ce qui est, donc, câble, comme je vous montrais tout à l'heure. Mais ça, c'est pas définitif. Faut vraiment que je m'en occupe demain, mais là, je vous avoue que j'ai pas trop la foi. Ici, il y a genre briquet, chewing-gum et compagnie. À côté, il y a un merveilleux pot que j'ai donc confectionné dans un atelier de céramique. Et autant vous dire que je ne vais pas boire dedans, donc voilà, je suis qui ferait très bien pot à crayon caché dans ce placard. Là, c'est notre bannette à gérer, à ranger, donc pour les papiers, et après les papiers sont rangés ailleurs. Et en dessous, on a tout ce qui est trucs de bureau, genre agrafeuse, cutter, les trucs de bricolage, donc les tournevis, scotch et compagnie. Au fond, il y a les enveloppes et les papiers, les timbres, etc. Et là, on a les clés et les piles. Maintenant, je vais délicatement refermer ce meuble, et c'est une bonne chose de faite pour ce soir. On se retrouve en direct de la salle de bain. Je me suis dit qu'on allait terminer cette première partie de vlog. Je suis en train de regarder le replay d'une émission qui s'appelle Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger. On est dans le thème du vlog, j'ai envie de dire. Donc en gros, le concept, c'est de venir en aide à des personnes qui ont besoin de faire du tri et vraiment de rendre plus minimaliste leur vie et leur maison. En même temps que je vous parle, je suis en train de me démaquiller. J'adore parce que moi, c'est ma phobie, le fait d'encombrer, de ne pas trier, etc. Vous le voyez, je trie tout le temps. La maison, c'est devenu un rituel. Samuel m'a même demandé là de faire un planning en me disant ce serait bien qu'on ait un truc où on se dise bah voilà, tous les mois on fait ça, tous les deux mois, tous les trimestres et tout. J'étais la plus contente, je me suis dit mais toi, on est fait pour être ensemble. Revenons rapidos à la skincare. Là j'ai la flemme, j'ai pas du tout envie de faire double nettoyage, etc. Franchement, quand on a la flemme, une petite eau micellaire, eh ben c'est super parce que vous êtes quand même démaquillée. C'est pas le pouvoir du double nettoyage, mais c'est mieux que rien. Lavage de main avant d'appliquer sa petite lotion et sa crème. Des fois j'aime bien la mettre dans mes mains et ensuite la mettre comme ça. Sachez que c'est tout à fait possible de faire ça pour les lotions, ça évite d'utiliser des cotons. Moi je suis une tarée des lotions, donc généralement j'en mets plusieurs. L'intitulé de fou, je suis une tarée des lotions. Ça va retourner dans ma table de nuit, donc pour pas le perdre, je vais le mettre dans mes cheveux. Vous m'en voudrez pas. Petit baume à lèvres. Hop, petite crème pour terminer. On se retrouve le lendemain, il est 9h. Je me suis levée il y a pas très très longtemps. J'essaie de reprogrammer cette Apple Watch que j'ai donc retrouvée hier et rechargée cette nuit. Je suis dans la chambre de Gaspard devant le dressing et je suis entourée de vêtements et choses en tout genre puisque ma mission de ce matin c'est de m'attaquer au dressing de Gaspard. Vous avez compris qu'en ce moment je suis un peu dans une volonté de trier tous les espaces de la maison et donc je coche au fur et à mesure notre liste qui est loin d'être petite. Et là j'étais en train de dire à Samuel que je voulais qu'on fasse appel à quelqu'un pour changer les portes de placard. Déjà je les aime pas du tout, j'avais pas du tout validé ce choix avec l'archi à l'époque et je sais pas trop comment on est venu à ça, mais cette espèce de porte en gris et tout là je déteste, mais c'est pas pour ça qu'on les change, c'est surtout parce qu'elles sont trop grandes en fait. Là il y a deux portes de placard, mais le placard comme vous pouvez le voir là, ce meuble il est coupé en deux parce qu'il nous faudrait trois portes en fait pour qu'on puisse avoir accès à chaque espace de rangement. Donc j'aimerais bien trouver quelqu'un et faire un devis pour les portes parce que je pense que ça doit pas être si compliqué que ça. Je pense qu'il faut changer le rail en fait et prendre des portes plus petites. Et à l'occasion, pourquoi pas changer les portes, soit prendre du tout blanc, soit prendre du miroir ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien changer ça. Ce sera dans un second temps, les amis, mais en tout cas, ça fait partie des trucs que je veux faire pour la maison. Donc c'est parti, let's go.
Voilà, le travail, tout est rangé, trié, plié. C'est pas du luxe, hein. Il y avait vraiment des trucs beaucoup trop petits. Donc ça, mes parties étaient déposées au don. Et on a gardé ce qui était bien. Sachant qu'il y a encore du linge là, qui a pas été fait parce que on a notre machine à laver qui est en panne. Tous les petits, les petites vestes, les chaussures, pantalons, pulls, t-shirts et sous-vêtements, pyjama. Alors cette partie-là, c'est Samuel, mais je vais pas lui trier ses affaires. Donc ça sera une autre paire de manches. Faut que je range un peu là-haut aussi. Et pour Gaspard, en tout cas, c'est fait. C'est une bonne chose de faite. Bon, du coup, il me restait une petite place dans ma table de nuit et je pense que je sais ce que je vais y mettre. Je vais y mettre le jeu Take Care et j'aime bien tirer une carte par jour. Du coup, je vais poser ma petite carte du jour ici. Si tu pouvais vivre une journée dans la vie de quelqu'un d'autre, qui ce serait? Et comme ça me permet d'y réfléchir pendant la journée et le soir de la ranger pour en tirer une autre le lendemain. Et du coup, je sais pas si je vous en ai parlé en vlog de cette petite merveille, mais on a sorti avec Take Care un jeu de cartes introspectif à jouer seul ou à plusieurs. Vous avez plus de 145 cartes, je crois qu'il y en a 150 en tout, avec des questions que vous pouvez vous poser ou poser aux autres. C'est multigénérationnel, franchement, nous on joue en couple, avec nos potes, en famille, je sais que certains membres de l'équipe ont joué avec leurs grands-parents et tout, et c'est trop bien pour aborder des sujets que vous n'aurez pas forcément abordés autour d'un repas de famille, quoi. À qui aimerais-tu écrire une lettre si tu étais certaine qu'il ou elle y répond? C'est des questions qui font réfléchir, c'est des questions qui permettent d'apprendre à se connaître. Vraiment, merci pour l'engouement qu'il y a eu pour la première production, on a été sold out, franchement, on s'y attendait pas du tout aussi vite, en même pas un mois. Donc ça y est, les précommandes sont relancées, et je vous l'annonce ici, du coup, puisqu'en plus, il y a moins 10% pendant les précommandes, donc voilà, c'est pour vous remercier pour le soutien face à ce projet et on a hâte de développer plein d'autres produits dans ce style qui allie dev perso et le côté ludique, sympa, voilà. Voilà pour le petit mot, du coup je vais réfléchir à la question parce que qui est-ce que j'aimerais incarner pendant une journée pour vivre sa journée? Le temps passe beaucoup trop vite, il faut que je me prépare parce que du coup j'ai yoga aujourd'hui, on est mercredi, je vais rejoindre une copine et on va aller faire du yoga, ensuite on va manger ensemble, ensuite on va faire nos ongles et ce soir on boit un verre entre copines. Petite tenue de yoga avec un petit sweat qui va bien. On est au Broc Café avec Emma, on a fait un cours de yoga fabuleux. Vraiment, ça nous a fait du bien à 8000 sur 100. Voilà, c'était doux mais intense à la fois, super. Il fait beau à Montpellier, les petits bonheurs de la vie et on va manger au Broc. Bon, ça y est, j'ai des ongles de star. Emma est repartie, je l'ai déposée au tramway et finalement elle a eu un rendez-vous. C'est placé ce soir au lieu de demain soir, du coup on s'est dit qu'on se quittait là. Moi je vais en profiter pour finir quelques courses, je dois passer chez Leclerc Auto, c'est passionnant, et à la pharmacie. Donc voilà, et après je rentrerai retrouver mes petits amours. Voilà, voilà, Gaspard un peu malade, donc du coup c'est pas plus mal que je sois là ce soir. Voilà, les choses se goupillent bien, mais en tout cas trop contente de cet petit effet nacré blanc là, laiteux. J'aime trop, je trouve ça original, frais, voilà. J'aime bien aussi la forme un peu en amande. Donc c'est top, voilà, allez, Leclerc Auto m'attend. Je suis sortie du Leclerc Auto, je me suis dit que j'allais vous montrer maintenant ce que j'ai pris parce que c'est passionnant. J'essaye de faire en sorte de prendre soin de ma voiture parce que vraiment demain je vais la faire nettoyer de fond en comble et j'ai envie que cet investissement dure à long terme. Donc j'ai pris notamment un gant anti-poil parce que vraiment les deux trucs dans ma voiture qui sont insupportables, c'est les poils de chien et ça c'est normal, Gaïa elle a des poils beige donc en plus on la voit. Et les pieds de Gaspard sur le siège passager parce qu'il a son siège auto et voilà, il met les chaussures et tout. Donc j'ai acheté un truc qui couvre le problème. C'est que je n'aime pas conduire et donc du coup je ne prends pas soin de ma voiture. Or c'est un investissement, maintenant elle m'appartient, j'ai envie qu'elle dure sur le long terme, donc c'est un engagement que je prends entre moi et moi-même. J'ai acheté une petite microfibre pour pouvoir la laisser à l'intérieur de la voiture et nettoyer justement les petites traces, les trucs sans devoir passer au lavage. J'ai pris du coup un spray nettoyant et surtout ce petit truc qui était vraiment sympa, c'est un spray assainissant destructeur d'odeur aux huiles essentielles Jardin des Îles, ça sent l'ananas. Voilà, écoutez ce haul fabuleux, mais je voulais vraiment surtout le gant pour les poils là. Je passe à la pharmacie et ensuite je vais rentrer, on est parti. Franchement j'aime bien cette config, j'espère que le son sera pas trop mauvais. J'arrive à lancer la caméra avec mon Apple Watch, donc ça c'est juste fabuleux parce qu'au niveau du cadrage j'arrive à voir si je suis à peu près au milieu. Voilà, j'ai le retour dans ma montre et ce petit micro qui est quand même bien meilleur que le son de l'iPhone quoi. Voilà, vous savez tout, allez direction la pharmacie. Je suis rentrée à la maison, ceci est mon amoureux. Bonsoir. Enchantée, vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit sac? Je vais te faire un haul bébé. Cette pharmacie elle est géniale, vraiment je l'adore, la pharmacie de Saint-Onès, ils sont adorables, ouais. Il y a plein de trucs à tout. Tu vas être choquée de ce que j'ai trouvé. De la terre de sommière. Mais non, je suis choquée. Bébé, c'est génial. Non mais pour de vrai. Non pour de vrai c'est vraiment stylé. Parce qu'on avait besoin pour les taches de gras et franchement improbable de trouver ça en pharmacie. Trop voilà. Bien, ça c'est pour les taches de gras, sachez-le. C'est trop la bien. La terre de sommière.
c'est au top. C'est pas la terre de Saumur, hein. C'est la terre de Saumur. Regarde, un autre truc que j'ai trouvé improbable en pharmacie. Des infusions Puka et à celle-là, Camomille Vanille Manuka Honey. Incroyable, non? C'est une super marque d'infusion, j'étais très contente de la trouver. Ensuite, des sprays pour la laine. C'est un message ou... Non, c'est vraiment pour moi parce que en fait j'aime bien avoir ça dans mon sac à main. Quand t'es en... Tu sais, je sais pas, tu viens de manger un repas, t'as pas moyen de te laver les dents et tout, c'est en des petits flacons métal là, et ça dure hyper longtemps. Tu vois? Non, franchement c'est fort, hein, bébé. Ça va. C'est hyper fort. C'est pas du tout fort. C'est très bon, j'adore. Ah, ça, je vais te le prendre, c'est mort. Il va disappear. Non. Un basique de l'hiver et on en avait plus. Et franchement, celui-ci, c'est quoi comme... Du Cicaplast. Ah ouais. Ça, c'est vraiment une crème de pharmacie pour tous les petits bobos et tout, vraiment, que je conseille, des irritations, ce genre de choses. J'ai pris ensuite un dentifrice. Non, vraiment, ça a pas une gueule de dentifrice. Non. J'ai pris aussi une petite crème pour les mains. Et des petites brossettes interdentaires parce que mon dentiste m'a dit, madame, c'est tous les jours. Donc voilà. Là, il m'écrase un peu. Ça a l'air très très bon. C'est, mais ça manque un peu de ça. C'est les pâtes bolo version Sam. C'est plus des pâtes boulettes. Ah, des pâtes boulettes. On ne change pas une équipe qui gagne, il est 22h30 et Samuel dort depuis au moins une heure. Et en fait ça dure depuis toujours parce qu'il a toujours pu s'endormir n'importe où et n'importe quand. Genre en soirée, sur un canapé, par terre, c'est un truc de fou. Il est beaucoup trop tard, il est minuit les gars. Du coup j'ai réfléchi à ma question d'équerre toute la journée et j'en suis venue à la conclusion que j'aimerais bien être dans la vie de Barack Obama pendant un jour. Parce que, comme je vous ai dit, j'aimerais bien être dans la peau d'un homme parce que je pense que t'as certains privilèges, j'en suis sûre même, que tu n'as pas en tant que femme et que tu vis forcément du coup un quotidien différent. Et je me suis dit, je voudrais quand même un homme qui côtoie des femmes inspirantes et je pense que lui doit côtoyer quand même des femmes inspirantes, notamment même sa femme, etc. Parce que je vais pas mentir sur le fait que les femmes m'inspirent généralement beaucoup plus que les hommes, en tout cas dans les parcours, etc. et de mes rôles modèles. Un homme pour l'expérience parce que je pense que c'est inédit. Quelqu'un qui a une vie clairement confortable, parce que si c'est pour une journée, autant que je me fasse kiffer. J'ai oublié de mettre ça, ceux qui ont suivi les derniers vlogs savent de quoi je parle. Du coup j'ai de l'eau qui coule partout, ça me dégoûte. Voilà un peu la conclusion de mon histoire. Je vous apprends rien, double nettoyage, on commence par une huile. On passe au nettoyage, évidemment, double nettoyage, c'est le meilleur combo. Voilà, c'était la petite question du jour. J'en ai parlé sur Insta il y a pas très longtemps, mais j'ai commencé le journaling. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, en gros, c'est un journal intime. Pas vraiment, parce que, je sais pas, journal intime pour moi, tu racontes vraiment, genre, c'est cher journal, aujourd'hui, nanana. Moi, c'est pas comme ça que je vois le journaling, vraiment. C'est vraiment, genre, la possibilité de déverser ce qu'il y a dans mon cerveau. En tout cas, une partie, parce qu'il y a beaucoup trop de choses dans mon cerveau pour que ça tienne dans un carnet. Ça me crée un espace mental extrêmement agréable. Je ne relis jamais ce que j'écris. J'écris d'une traite. Et je pensais pas que ça me ferait autant bien, je me mets aucune pression, genre tu dois écrire tous les jours, tant de lignes et tout, pas du tout. J'écris quand je veux, autant de lignes que je veux. Je mets juste la date, le lieu où j'écris, et ensuite il y a là quoi. Je vais vous montrer mon petit carnet, mais c'est un carnet vraiment hyper simple, un peu trop simple à mon goût. Là clairement j'ai l'impression de parler à une copine pendant une pyjama party. Mon carnet est donc un carnet tout simple comme ça. À l'intérieur il y a des lignes, et il y a un rabat, voilà, avec un élastique. Donc il est pas foufou, je le trouve un peu austère. Je me suis dit que j'aimerais bien créer mon carnet de journal parfait, faut que j'y pense, mais je pense que ça pourrait être très cool. J'ai voulu tester le nouveau dentifrice que j'ai acheté sous ma douche tout à l'heure. J'ai failli éclater le flacon par terre. Moralité, vu que c'est un flacon en verre, je l'utiliserai en dehors de ma douche. C'est pas possible pour une boulette comme moi. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était un plaisir de vous embarquer avec moi. Demain, c'est jeudi, donc deuxième et dernière journée au bureau de la semaine, puisque le vendredi, je travaille de la maison. Prenez bien soin de vous, j'ai hâte de vous retrouver dans un nouveau vlog, et à très vite. Ciao, ciao.